Bonjour, qu'est-ce que c'est que ce vélo incroyable? Allez devant. Voilà, et racontez-moi tout. Bonjour, c'est une machine unique. Oui. Elle est exceptionnelle et il n'y en a qu'une seule dans le monde. C'est la première fois que vous l'exposez? C'est la troisième fois qu'elle est exposée. Elle a été une fois dans un salon en Suisse et une fois au Salon des Inventions l'année passée. Alors, en quoi est-elle exceptionnelle? Elle est exceptionnelle parce que ça, là, c'est un joystick. Et c'est le seul véhicule au monde qui se pilote avec un joystick. Comme un avion. Exactement. C'est un avion avec deux roues. Du reste, j'avais l'impression que c'était un avion, pour ne rien vous cacher. Il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de ça. Ça ressemble à un jet militaire. Voilà. Exactement. La propulsion électrique. Recharger la batterie. 5 heures pour recharger. Quelle autonomie? 30 km. 30 km. Et 60 km/h. Est-ce qu'il faut une plaque d'immatriculation? Alors c'est à ce stade-là, c'est un prototype. Un prototype. Il n'est pas homologué pour aller sur la route, sauf en version vélo quand on va à 25 km/h. Et est-ce que vous en vendez déjà? Pas du tout, pas encore. Par contre, on est en train de fédérer, on est 1000 personnes dans le monde. Oui. Là, on peut voir. Depuis 2 semaines, depuis 15 jours, on a un succès fou sur Internet. On a 2 400 000 vues en génial. 2 semaines. Et on a 1000 personnes depuis ces 2 dernières semaines qui se sont inscrites pour recevoir ce plan-là, pour le construire et pour le piloter. C'est-à-dire que... ils vont vous financer? J'ai pas compris. Comment ça marche? L'objectif, il n'est pas commercial, il est communautaire. D'accord. On va travailler sur un système d'open source. Oui. Tous les gens qui ont envie de rouler avec une telle machine, ils s'inscrivent auprès de moi. Ils reçoivent ce plan gratuit chez eux. Ils peuvent le construire, je leur donne mes conseils. Parce qu'après, il faut qu'ils fabriquent les pièces, ils trouvent... C'est facile. C'est que des pièces de récupération. Regardez. Cette chaise-là, c'est la même. Ça. C'est une poignée de porte. C'est une robinetterie. C'est l'eau chaude, l'eau froide. Oh là là, c'est incroyable. Bah alors, vous êtes un géotrouve-tout, vous? J'aime mieux le mot inventeur. Oui, mais c'est je trouve que c'est sympa aussi. C'est un grand inventeur. C'est sympa aussi. Non, parce que c'est quelqu'un qui a des idées géniales à côté desquelles on pourrait passer, et alors qu'il suffit de regarder. C'est un peu ça. Alors écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup.